puisque même les revues d'art se cassent les dents à essayer de définir ce que sont les photos d'Arnold Odermatt, toujours espiègle à 87 ans. Est-ce de l'art ou pas, fut-il involontaire? Pourquoi ne pas parler avec lui d'autre chose? Par exemple, de musique. J'aime la folk musique, mais aussi la belle musique moderne. C'est ce que j'écoutais quand je travaillais comme je l'ai fait. De la folk musique? Pourquoi pas? Allons-y. Il a été le policier photographe du canton suisse de Nidwald. Il a, pour les accidents de la route, inventé la Street View. Il a fait d'étonnants cadrages destinés aux assurances ou à promouvoir la police. Alors tous s'interrogent, est-ce un faux candide? Est-ce qu'il était simplement un photographe? J'ai surtout essayé de faire des choses nouvelles qu'on n'avait pas déjà vues 100 fois, faire quelque chose de spécial. Je cherchais à chaque occasion à faire du neuf, à intriguer, à ne pas ennuyer. On se dira que la Suisse dans ces années-là ressemblait encore à l'Allemagne de l'Est, mais qu'elle se frottait déjà aux transes psychédéliques de l'Allemagne de l'Ouest. Un regard à gauche, un regard à gauche, un regard à droite, un regard à gauche, un regard à gauche, un regard à droite. C'est à voir à la chambre, à Strasbourg.